Bonjour, merci de m'accueillir dans le groupe. Je m'appelle Catherine, j'ai 23 ans, je suis célibataire et je suis chocodépendante depuis 23 ans. J'ai commencé le chocolat très jeune avec la poudre, ensuite la tiraille classique avec la pâte à tartiner. D'abord la petite cuillère et puis très vite la cuillère à soupe. Et je suis allée jusqu'à la louche. Et là, c'est plus possible parce que c'est pas pratique. Du coup, je suis passée aux plaques. Et c'est là que sont apparus les premiers boutons et la solitude. J'étais une première tentative d'arrêt en 2005 suite à une crise de nudélite aiguë. Une nudélite. Et puis j'ai replongé. J'ai fait une deuxième tentative d'arrêt en 2008 avec un cacao lent qui me plantait des mikado un peu partout. Et là, c'est la troisième fois que j'arrête et j'espère que c'est la bonne. J'étais encore à 2 carrés par jour la semaine dernière, mais depuis lundi, plus rien. Je suis clean, je touche plus. J'ai fait un peu de dépression lundi soir. Mais ça va mieux maintenant, je me sens forte. D'ailleurs, quand je passe dans la rue, j'entends les gens, ils disent « Oh, elle est forte celle-là !» J'ai décidé d'attaquer la société Contour pour harcèlement moral, si vous voulez signer la pétition. Quelqu'un a une chocorette? J'ai mis un pâte, mais j'ai quand même envie. Voilà, c'est un petit sketch. J'espère que ça vous a fait rire. En fait, j'ai participé au dernier concours. Vous vous souvenez d'une fille énergique, trop bavarde et un peu fofolle sur la scène? Oui, c'était moi, Catherine Wang. J'apprécie l'occasion que vous m'avez offerte et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Et après, j'ai fait une année d'études en France. Ça m'apporte beaucoup. J'ai fait du progrès. Je deviens plus sage, j'ai de la maturité et je suis plus ouverte aux autres. Et j'irai au bout de mes rêves. Voilà, je vous remercie encore pour votre attention. Et tous mes meilleurs souhaits pour vous et pour CCTV français. Merci beaucoup.